Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Vous êtes toujours branchés sur tvmada.com et radiomada.com, le cœur et la voix de Madagascar. On sait que de nombreux chocolats addicts nous suivent de près. Nous avons ainsi décidé d'aller à travers ce délicieux reportage à la découverte des délices de Canela, un restaurant, pâtisserie et chocolaterie à la fois. Nous avons eu l'honneur d'assister au processus de production de chocolat dans leur laboratoire à la sortie de la ville. Suivant les normes internationales, l'équipe se lève très très tôt pour offrir des produits frais à la clientèle pour le petit déjeuner, notamment les viennoiseries. Les chocolats de Canela ont une touche spéciale, tant par leur forme que par leur composition. Steven Bloas, le chocolatier, n'hésite pas à donner un peu de couleur au cacao et de les agrémenter avec les célèbres épices de la Grande Île. Enrobé ou moulé, le chocolat est fondant, loin des pâtes dures et collantes. Selon Steven Bloas, le chocolat fondant ne se conserve que pour quelques jours, contrairement au chocolat à pâte dure qui peut se conserver pendant des mois. Il est donc certain que les chocolats de Canela sont toujours frais. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui font de la pâtisserie, de la viennoiserie et même du chocolat. Qu'est-ce qui différencie et qui démarque Canela? Qui nous différencie, nous démarque, nous on est parti sur une gamme de produits de qualité. Par exemple, on élabore avec du beurre frais, etc. On utilise des matières premières de qualité et chères. Donc c'est vrai qu'on cible une clientèle plus aisée, mais bon, on essaye de faire plaisir au plus grand nombre. Qui est-ce qui nous différencie? Je ne sais pas, je pense que justement en qualité, en termes de qualité, on s'en met un point d'honneur à faire bien tous les jours. Et si on y arrive, ce sera ce qui ferait notre différence, peut-être. Parce que c'est pas dur de faire bien, c'est dur de faire bien tous les jours. Après leur préparation, les chocolats, les viennoiseries et les pâtisseries sont conditionnés et envoyés au restaurant Canela à Sizantzavul. Un restaurant que nous allons découvrir avec Noémie Ferrandis, la chef de projet. Nous avons plusieurs spécialités, donc nous faisons restaurant, nous sommes aussi pâtissiers, chocolatiers et traiteurs. Pour le restaurant, on a une carte plutôt simple et épurée pour toujours proposer à nos clients des produits frais et savoureux. En pâtisserie, aujourd'hui, on a une gamme qui est plutôt large et il y en a pour tous les goûts, ceux qui préfèrent le fruit, d'autres le chocolat. On a nos macarons aussi qui ont fait un peu la réputation de Canela. Et maintenant, donc les viennoiseries pur beurre avec les pains au chocolat, les croissants, etc. que les gens aiment bien déguster en terrasse ou au petit déjeuner au soleil. Et qui fait aussi notre succès le dimanche pour le brunch que nous organisons. Donc qui est tous les dimanches de 9h à 14h avec un buffet sucré et un buffet salé. Pour la clientèle, est-ce que c'est dédié à une clientèle spéciale ou vous avez toutes les classes sociales, toutes les nationalités? On a vraiment toutes les classes sociales et toutes les nationalités. Justement, on a quand même une gamme qui est assez large pour que chacun puisse se faire plaisir et découvrir ce qu'on fait. Aujourd'hui, on essaie de faire connaître nos chocolats. Tous ceux qui les ont goûtés ont été séduits, donc on espère vraiment que Noël va faire connaître nos chocolats et qu'on régalera un maximum de personnes.